qu'on va monter au Versi. Et salut les potes, c'est Poulap. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu plus chill. On a réussi à sortir Madame du lit. Aujourd'hui, on va aller au Vertige des Cimes. C'est une sorte de passerelle qui est au-dessus d'une falaise de 300 mètres de vide. Et on a vu une incroyable sur la vallée de Grenoble et sur les montagnes qui sont en face. Donc on va aller voir ça et on va essayer de pas entendre trop Madame râler. Hein, Oli? C'est bon, je suis déjà fatiguée. Il y a pas mal de vent aujourd'hui, il fait un peu un temps de merde. Mais bon, comme on a eu chaud toute la semaine, ça fait pas de mal. Ça fait du bien de sortir un peu. Vous êtes devant vos écrans à regarder des vidéos YouTube, vous n'avez pas honte. On est en train de monter tranquillement. Ça commence à respirer fort de ce côté. Savoir que le sport et Olivia, ça fait 1,5. On va pas dire 2 quand même. Mais on essaye de la convertir, on est sur la bonne voie. Je vous rappelle que la station de ski de Lens-en-Vercors, c'est quand même le fief pour les skieurs débutants. C'est super bien, donc si vous avez jamais fait du ski, venez skier à Lens-en-Vercors les gars. Et en plus c'est beau. Super ça, Oli. Très belle découverte. Ça commence à être un peu raide. J'en peux déjà plus, moi. Et on commence à avoir un peu des plaintes du côté de la partie de la coéquipière. On n'a pas fait la moitié, on n'a pas fait le plus raide. J'ai un peu peur que j'ai un nouveau sac à dos. Là, juste dessus. Tu me portes. Porter dans la montée. Bah oui. Comment te dire tu vois ce tronc d'arbre là? C'est le même poids à peu près. Oh, okay. C'est vrai que pour voir les sommets, Olivia a trouvé une super technique, c'est que vu qu'on les voit depuis en bas, on a juste à se garer en voiture. Et puis c'est bon, on peut rentrer après. Oh, je préfère ça. Eh non ma petite, c'est pas comme ça que ça se passe. Nous on va jusqu'en haut. C'est fausse. On a dit qu'on s'arrêtait pas. T'as le droit de ralentir mais t'as pas le droit de t'arrêter. T'as bien bu mon camel? Donc là on est sur une partie assez tranquille. Mais Olivia elle vient de voir le petit mur là-haut bien raide. Est-ce que t'es contente d'aller en balade avec moi? J'ai l'air d'être contente là. Ouais quand même hein. J'en peux plus. Mais non ça va le faire, on y va doucement. De bon matin, une petite balade là. On s'est levé juste pour ça quand même. C'est bien, super, on a mis un réveil le samedi matin. Ouais. Ok, c'est la dernière petite partie plate avec... Oh non, on se casse. Ok, changement de programme, il y a les moutons. Donc, et qui dit mouton? On dit qu'on se chie dessus. On est en train de descendre à fond. Savoir que les patous, ça vit tout le temps avec les moutons. Et que ça défend son troupeau. Son barjot, c'est pas tout là. Ils étaient là, mais est-ce que... Attends. Je sais pas trop par où descendre. Est-ce qu'on s'aventure par là maintenant? Il y a un putain de patou qui était juste à côté de nous. Il nous a pas vu. Mais bon, sa mère, j'ai le cœur qui gratte de sang. En gros, je vous explique. Dans les alpages, il y a des troupeaux de moutons en liberté. Et comme il y a des loups, il y a des chiens de berger. Et ces chiens, ça aboie, c'est gros. Et ici, ils sont très mal éduqués, en général, qui a souvent des problèmes avec les patous. J'aurais pu faire à son troupeau, moi. J'aime bien les moutons. Je sais pas si j'étais en train de filmer, d'ailleurs. On a vu les moutons, on a entendu du bruit dans les bois, et il y avait un patou, genre, pour vous dire, on était sur une piste qui faisait à peu près ça de large, et il était au bord, là, comme ça. Il devait être à, je sais pas, 20 mètres. Je sais pas, il était beaucoup trop près, en tout cas. Et là, on s'est dit, mais si on continue d'avancer, on entend les moutons devant nous, donc... Il se rapprochait. Ouais, on est obligé de se barrer dans l'autre sens. Donc on a commencé à remonter, et là, en montant, qu'est-ce qu'on voit? Le patou, le même, qui redébarque sur la piste. Donc on a refait demi-tour, il nous a toujours pas entendu. Franchement, ça par contre, je sais pas. Mais du coup, on a refait demi-tour dans l'autre sens, et après on est passé, et là on est assez loin, je pense qu'on est tranquille. Voilà, balade annulée. Est-ce que t'es contente? Ah, c'est le seul truc bien des patous. On n'est pas allé jusqu'en haut, c'est dommage, ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé là-haut, donc ça aurait fait plaisir. Mais tu verras ça une prochaine fois. Enfin voilà, on va aller manger. Ah, c'est un meilleur plan ça. Je préfère manger que faire une balade. Mais tellement. Mais tellement. Bah c'est vrai. À la vitesse, on a redescendu la piste. Je peux te dire que c'est autant de sport que pour la montée. C'était terrible. On a tracé là, il n'y a plus de fatigue pour Olivia. T'as le cardio là. Ah, ça marche.
Bon, la vidéo aurait été plus courte que prévu, mais bon, c'était quand même sympa. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, et puis on se retrouve le week-end prochain, les gars. Tchuss.